Grâce au président de la République, grâce à la première dame, grâce à l'ouvrière, comme j'aime bien l'appeler, la ministre de la femme, de l'enfant et de la famille, que je remercie encore une fois. Donc, grâce à toutes ces personnalités, il sera possible à 105 femmes, futures candidates aux échéances locales de septembre 2023, de mieux adresser leurs interventions, de s'armer de courage et de détermination, mais aussi et surtout de mieux préparer, dans les conditions les meilleures, les stratégies en vue de relever les défis qui sont les leurs en période pré- et post-électorale.